ADN. Voilà, le genre est génétique, on va dire. Voilà. C'est vous qui nous dites. Si tu n'es pas quoi? Si tu n'es pas très vigilant, vigilant, tu vas t'éloigner des gens disant qu'ils dégagent des zones négatives, des gens qui sont disposés à se laisser inscrire. Ouais, ouais. Je pense que la clé c'est plutôt aller plus loin et afin que la force vienne les. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est qu'en fait, pour le cerveau, il faut comprendre. Parce que nous sommes le vrai disciple, il est un chercheur. Hein? Un chercheur. C'est-à-dire un chercheur, j'ai médité la nuit, il y a une vision, un projet qui est clair dans l'esprit. Mais c'est dans son esprit. C'est une vue de l'esprit. Il veut le matérialiser. Il faut rentrer dans un cycle d'expérimentation. Jusqu'à ce que ce qui est une vue de l'esprit soit ramené à la phase matérielle. Voilà, donc c'est ça. Et il va expérience en expérience, expérience en expérience. Si le projet est clair dans l'esprit, il n'abandonne pas l'expérimentation. Même si ça lui coûte du temps, ça l'éloigne de fonctionner comme tout le monde, parce qu'il n'a pas les mêmes priorités, la même vision que tout le monde. Tu vois, c'est ça. Jusqu'à ce que ce qui est vu de l'esprit devienne matériel. Comme disait quelqu'un, la foi ou l'adhérence est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ces choses dont on espère, qui deviennent matérielles. Donc là, il est question de rentrer dans l'identité de notre Père, qui est notre identité réelle. Ça, c'est la force et la puissance. Donc, aussi longtemps que nous sentons qu'il y a inadéquation entre ce qui agit en nous et cette identité, nous nous laissons davantage. Il faut rester disponible pour comprendre quel mécanisme, quel moyen, quelle arme utiliser pour que nous sortions totalement de la lourdeur pour rentrer dans la force. C'est ça. En fait, quand tu parles là, il y a une image qui traversait mon esprit. Tu vas dans les compétitions, par exemple le football. Ils sont au départ dans le foot. Et après, il y a des équipes qui vont au second pôle. Ils rentrent dans ce qu'on appelle les quarts de finale. Mais maintenant, on se rend compte qu'au fur et à mesure que ces équipes avancent, et notamment pour celles qui arrivent jusqu'en finale, jusqu'à remporter le trophée, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'elles traversent des étapes, il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, c'est-à-dire qui s'affinent davantage, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'objectif. Généralement, on dit qu'elles montent en puissance. Voilà, elles montent en puissance, c'est ça. C'est ça. Donc, maintenant, si ce que tu as comme vue de l'esprit réel, cela soit, quelle que soit la réalité de cela, si ça demeure une vue de l'esprit, ça ne se matérialise pas, ça ne peut pas attirer. Mais dès le moment que tu arrives à trouver la formule, par exemple, pour le cas dont nous parlons, où la force s'est dégageant du Messie, qui émane, qui est l'émanation du Créateur, qui est la fonction visible des caractéristiques du Créateur, ce que nous sommes humains arrive à sortir de la programmation dont nous avons été l'objet, qui nous a renfermé dans la lourdeur par rapport à la manifestation d'entrée de notre. Dès que tu y accèdes, les gens commencent à comprendre que c'est accessible. Donc ce sont ces méthodes-là que tu transmets. Tu vois ? Ce sont ces clés-là que tu transmets. C'est-à-dire, non seulement tu leur montres l'objectif que le Père donne, mais aussi tu leur donnes les clés pour y arriver. C'est ça. Le mécanisme. Oui, puisque tu l'as vécu toi-même. Voilà. Tu vois ? C'est ça, hein. C'est ça. C'est un impact plus important. On ne peut pas rester éternellement dans la lourdeur. Soit celui que nous invoquons n'est pas vrai, parce que si on l'invoque, et puis ça veut dire que nos invocations sont répondues. Il y a les faits. Si nous l'invoquons, mais on se sent plutôt écrasé par la lourdeur, ça veut dire que la force que nous invoquons n'est pas pure. C'est pas, vous voyez bien.
elle n'est pas. C'est pas le créateur. Voilà. Donc, maintenant, il faut comprendre, soit c'est notre manière de vivre cette activité spirituelle qui n'est pas vraie. Vous voyez très bien. Ou alors, peut-être, c'est la force que nous invoquons qui est suspecte. Bon, or, surtout, nous rentrons là quand on comprend le mécanisme de l'invocation. C'est que ça se tire de ce que nous sommes. Nos désirs, nos aspirations, les films qui entretiennent nos journées, les heures qui sont dans nos têtes. On est dans l'invocation. Donc, c'est la sphère spirituelle qui entretient ainsi notre esprit par des films, par des livres. C'est cette sphère spirituelle qui s'invoque elle-même en nous. Donc, si nous comprenons que les faits, ça nous éloigne de la force qui est le repère dans le monde, ça veut dire que dans le fond, c'est cette activité qui n'est pas bien. Plus nous sortons de cette activité ou nous rentrons dans la sphère du Père où c'est lui-même qui s'invoque, tu vois clairement qu'il y a changement. Même si tu es un morceau de bois, tu sors de l'état de morceau de bois, tu deviens la force agissante. Tu comprends que c'est un problème de ce que nous sommes, notre identité. Nous sommes programmés pour être dépendants de l'identité de Satan et pour que Satan lui-même s'invoque. C'est là que la chose se passe. Parce que les mêmes personnes, dès que tu les enlèves dans sur la trajectoire de parler du royaume de Dieu pour lequel ils ne sont pas programmés, pour manifester la force, tu les amènes sur le terrain où ils ont été programmés, médisance, calomnie, passion, tu vois clairement que l'individu est en son œuvre. Ah oui, il y a des non-chances pour ça. Bien sûr. Ça veut dire que c'est le programme qui n'est pas bon. Parce que nous n'avons pas des personnalités, une identité qui ne viennent d'en haut. Bon. Donc, nous sommes appelés, la destinée est que notre identité soit pensée à partir du Créateur. Le Créateur, c'est un grand mystère. Hors de son identité, tu ne peux pas le comprendre. Donc, c'est lorsqu'il nous intègre dans son identité, en nous conférant une partie de lui, que nous le comprenons et que nous nous comprenons. Vous voyez bien. Et comme c'est à partir de lui qu'on comprend toute la création, il nous donne son regard sur la création. Nous pouvons non seulement nous comprendre, le comprendre, mais aussi comprendre la création. Bon, mais si l'individu que nous sommes est hors du Créateur, nous avons une identité. Elle vient d'une sphère spirituelle qui aussi est mystérieuse. Tant que nous sommes hors du Créateur, nous ne pouvons pas la connaître, arriver à identifier sa personnalité si nous sommes hors du Créateur. Donc c'est ce qui fait qu'on est un mystère pour nous, parce que nous manifestons une identité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre. Elle est la nôtre parce que nous sommes conditionnés à dépendre de cette sphère spirituelle. Vous voyez bien, donc ça fait que nous constituons un mystère. Donc, c'est donc vers le retour maintenant vers le Père qui nous amène à comprendre clairement les profondeurs de l'identité qui nous a habitées, c'est-à-dire les profondeurs du mal. Vous voyez, donc, parce que le regard du Créateur nous a donné, on commence à comprendre bien le mécanisme qui est derrière le fonctionnement de l'univers, un mécanisme spirituel qui est derrière l'univers. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça. Donc ça fait que des fois quand on voit clairement le fait que l'identité qui agit dans l'humain, quand il est isolé de créateur, la manière dont on a été construit pour que ce soit Satan, l'identité de Satan soit la nôtre, que ce soit lui qui fonctionne, bon, et comme c'est vraiment lui qui est dans l'humain, il est évident que l'humain ne se connaît pas. Parce que l'autre qui nous rend dépendants de lui, ou auquel nous avons été rendus dépendants, il fait tout pour que nous ne nous connaissions pas. Que nous ne nous connaissions même pas en lui. C'est-à-dire que nous ne sachons pas que c'est lui qui fonctionne en nous. Eh bien, il fait tout comme ça. Donc, il voit tout pour que nous pensions que lui en nous, c'est nous. Voilà, c'est-à-dire tout ce qu'il fait en nous, c'est nous. C'est là où, personnellement, je me rends compte davantage que plus tu rentres vers l'affaire du Père, bon, tu vois un individu quand il parle, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Quand tu le reprends, selon ce que le Créateur te donne, le comprend, il dit non, tu ne m'as pas compris. C'est pas envoyé bien. Il dit non, tu ne m'as pas compris. Mais dans le fond, en réalité, lui ne comprend pas ce qu'il dit. Si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que c'est lui qui parle? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est qu'en réalité, il ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que toi, tu l'écoutes à partir du Créateur. Tu rentres bien dans l'univers spirituel qui s'exprime au travers de lui. Et comme lui, il n'est pas conscient de sa dépendance à cet univers, il croit que tu ne le comprends pas. Il va te dire, non, tu ne m'as pas compris. Mais dans le fond, c'est lui qui ne comprend pas ce qu'il dit. Tout à fait. Tu comprends ça, en fait? Je comprends très bien. Oui.
Et c'est pour fois. Ou alors il te dit, non, mais tu m'as mal compris. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et parfois, ça rompt quelqu'un, peut-être, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça, des bulles de lumière, mais il est capable de te dire que non, ce n'est pas ce qu'il t'avait dit. Oui. Alors que c'est ce qu'il t'a dit. Bien sûr, parce que ce n'est pas lui qui parle. Ce n'est pas lui qui parle. C'est-à-dire, par exemple, que tu vois, je peux prendre ce verre ici. Bon, pour moi, ce verre, c'est un outil de communication. On s'entend bien. Je vous dis que nous allons sortir à 18h. Dès que 18h arrive, je prends le verre, je commence à taper comme ça. C'est-à-dire que c'est moi qui ai l'intelligence qui s'exprime au travers du verre. Mais le verre lui-même, il est isolé de l'intelligence, du sens, du message que je transmets en me servant de lui. Tu vois très bien, bien. Donc tu ne peux pas aller demander à ce verre que, mais qu'est-ce que tu as dit en faisant résonner ce son ? Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Ce n'est pas au verre que tu as dit, parce que le verre ne détient pas le contenu du son qui le fait résonner. C'est celui qui le fait résonner qui détient le contenu de ce message. Mm. Voyez, donc c'est, on est donc dans cette, voyez bien, dans cette complication. Donc ça fait que cet individu, et c'est là où se trouvent souvent les débats interminables. Parce que, en fait, imagine-toi, tu es dans la sphère du Père. Tu comprends bien que je suis une cymbale qui est utilisée par une sphère spirituelle pour s'exprimer. Et toi, tu discernes clairement par le Père, hein, ce qui est dit. Bon, mais moi qui ai la cymbale, par exemple, le verre, tu veux faire comprendre au verre que non. Écoute, ce que tu fais résonner là, c'était pour appeler tout le monde qui est dans la maison. Mais le verre va te dire que ce n'est pas ce que j'ai dit, parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas lui qui détient le contenu du message qui est derrière. Et toi-même qui t'agresses au verre, tu es dans le brouillard. Oui, c'est ça. Justement. Parce que tu devais aller t'adresser à celui qui utilise le verre. C'est voilà. C'est, si tu le dis ça, tu le dis clairement. Ouais. C'est pourquoi le Messie savait qu'il n'avait pas affaire aux humains. C'est ça. Donc, nous parlions du mystère du conditionnement. Hein. Le mystère, c'est le conditionnement. Donc, ce conditionnement auquel l'humain a été amené, l'amenant à la dépendance d'une source d'intelligence qui est fausse. Mais en réalité, qui agit au travers de lui, qui définit son regard, qui définit ses couleurs, donc qui définit le contenu des termes qu'il utilise, c'est cette source d'intelligence qui est derrière. C'est cette source d'intelligence qui définit les valeurs, donc de telle manière qu'en fait, elle te donne un regard qui est faux. C'est-à-dire, chaque regard qu'il te donne est contraire à ce qui est réel. Bon, mais toi, comme tu n'es qu'un sujet qui est utilisé, tu n'en es pas conscient. Parce que tu es isolé des facultés t'aidant à comprendre que cette source d'intelligence à laquelle tu es dépendant te donne un regard qui est contraire à ce qui est vrai. En fait, tous les esprits humains conditionnés dans la sphère cosmique, ce sont des cymbales résonnantes. Oui, ce sont des cymbales qui résonnent. Et ceux qui sont la représentation de cette énergie de mensonge, cette fausse intelligence qui est Satan, ils savent clairement que la masse, c'est une compilation de cymbales qui résonnent. Que ce sont des caisses de résonance. Ils le savent clairement comme ça. Donc, c'est ce qui fait que quand ces gens-là tiennent un discours, eux, ils détiennent clairement, même si eux-mêmes, à certains moments, ils sont trompés, hein, ils détiennent l'intelligence des termes qu'ils utilisent. Mais ils savent que la masse ne va pas comprendre ce qu'elle veut. Elle va comprendre ce que la sphère spirituelle à laquelle elle est dépendante va lui donner de comprendre. Voilà. Donc finalement, la masse n'y comprend rien. C'est ça. Donc c'est le bonheur, c'est quand cette programmation est détruite. Parce que nous ne sommes pas faits pour être dépendants de ces forces, de ces créatures. Nous ne sommes pas faits pour être dépendants de ces créatures de mensonges, de tromperies, de perversité. Nous sommes faits pour être dépendants du Créateur. C'est-à-dire qu'avant que nous venions, nous étions en train de le dire comme ça que toute la guerre, on peut dire, de ces créatures spirituelles, donc qui constituent la tête pensante de l'esprit de l'homme quand il est isolé du Créateur, c'est que l'esprit de l'homme
ne soit pas autonome d'eux ou d'elles. C'est-à-dire que l'esprit humain ne fonctionne pas à partir des facultés que le Créateur lui confère. Parce que quand tu rentres dans le fonctionnement à partir des facultés que le Créateur te confère, tu es un esprit, tu es une entité libre, une force intelligentielle. Donc il subordonne ses forces. Bon, mais ce que l'impie fait, c'est que ce qu'il veut, c'est que les facultés à partir desquelles nous fonctionnons, il faut que ce soit lui qui nous les donne. C'est-à-dire que ce soit lui qui soit notre regard, que ce soit lui qui soit notre compréhension. Comme ça, il peut nous servir une fausse compréhension au détriment de la vraie. Il peut nous servir un faux regard au détriment du vrai. Vous voyez, donc c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, il peut nous mener où il veut. La couleur est verte, il te dit c'est rouge. Elle est jaune, il te dit c'est noir. Voilà, comme ça il peut te mener comme il veut. Donc l'esprit sort de là quand il rentre dans les facultés que le Créateur a pour lui. On sort de cette infirmité. On commence à fonctionner par la force que nous tirons de notre Père. C'est ça qui a fait le Messie. Seulement, là n'est pas détruit. Tu amènes les gens, même, tu dis même, tu amènes les gens à prier. Mais c'est l'autre qui s'invoque. Les gens, c'est l'autre. C'est la compréhension, c'est lui. Oui. Ce qu'ils invoquent, c'est en fonction de la compréhension. C'est comme ça. Puisque dans le fond, quand tu rentres dans la racine réelle de l'invocation, j'ai dit, ce n'est pas parce que nous allons nous retrouver tout à l'heure 2 heures, on va parler, on va dire, on appelle. En fait, même l'appel, les mots que nous émettons sont totalement isolés de la réalité de ce que nous sommes. C'est ça. Vous voyez, alors que l'invocation réelle, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Voilà. Ce que nous sommes, notre identité, c'est de là que monte, c'est de là que s'inspirent les désirs réels. Et c'est ça la vraie prière. Or, ce que nous sommes, mais ça, nous le tirons de l'autre, de l'impie. Donc dans le fond, c'est lui-même en nous qui appelle, c'est la force intermédiaire qu'il est, qui s'appelle. Oui. Donc je disais à Franck tout à l'heure, imagine tu prends un pays comme le Cameroun, tu as 30 millions d'individus qui sont conditionnés comme ça, à dépendre de Satan. Tu as une autorité qui est la représentation de Satan. Mais toutes les invocations que vous faites bénéficier, tout à fait, à ce personnage. Mmh. Donc ce personnage serait aveugle s'il vous empêche de prier. Mmh. C'est ça. C'est l'exemple que tu prenais sur le joueur de foot et, oui, et le spectateur. C'est ça. Qui disait à un spectateur que c'est vous qui nous donnez l'énergie. C'est vous qui nous donnez l'énergie. C'est comme ça. Oui. C'est l'énergie que vous invoquez, ben, que nous déployons, dont nous bénéficions. Pour briller. C'est cette énergie qui brille en nous. Bien sûr. Si c'est autrement, ça veut dire que tu es dans. C'est comme un masque. C'est comme si tu portais un masque pour présenter notre visage aux gens. Bien sûr, mais ton activité réelle sera ce que tu es. Tu es. Qui émane de toi. C'est désir. C'est ça l'activité réelle. C'est pour ça que les écritures disent que Dieu n'écoute pas. Dieu ne regarde pas à l'apparence. À l'apparence. Voilà. Et par ailleurs, il a dit que avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu désires, c'est-à-dire ce que tu es. Ce que lui, il considère, ce qui est considéré comme prière, c'est pas ce que tu dis. Mais c'est ce qui est à l'intérieur, ce que tu es. Voilà. Donc, ça veut donc dire qu'en réalité, la prière, c'est pas simplement quand tu ouvres la bouche. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme nous sommes des êtres, spirituels, nous sommes des êtres agissants, il y a en nous une activité spirituelle constante, qui est sans arrêt, jour et nuit. Mais elle est inspirée par la sphère spirituelle, donc on est dépendant. C'est elle qui s'invoque. C'est ça. C'est elle. Elle s'alimente. C'est elle qui s'alimente. Qui t'alimente. Et on peut voir là, c'est que c'est là même que se trouve tout le mystère, tout le secret du développement du Messie. C'est qu'en réalité, comme il est la substance du Créateur, il ne peut qu'appeler ce que il ne peut qu'exprimer ce qu'il tire de son Père. Ouais, bien, il ne peut qu'exprimer ce qu'il tire de son Père. Donc c'est ça. C'est donc l'identité caractéristique de son Père en lui qu'il appelle, qu'il invoque. Et il ne pouvait qu'être alimenté, il ne pouvait que s'élever davantage. Oui.
c'est ça. Les nations sont des entités spirituelles, les nations. L'identité d'une nation est spirituelle. Une nation, c'est un esprit. Ça veut dire qu'une compilation de populations qui sont construites à la dépendance vis-à-vis d'une, des entités spirituelles et qui invoquent. Donc, ils sont dépendants de ces entités spirituelles dont, en réalité, leurs désirs sont alimentés par ces forces dont ils les évoquent. Nous vivons dans une matrice. Une matrice. Mais cette matrice a bien été construite par, bien sûr, à la tête et à l'impie, et puis se servant des humains comme représentation physique ou humaine, et au travers desquels il a canalisé toute conscience humaine qui rentre dans l'univers, issue d'une autre conscience humaine qui rentre dans l'univers, elle a été canalisée à la dépendance à Satan. Donc, c'est cette construction-là, amenant les humains dans l'univers à la dépendance, conditionnant à la dépendance vis-à-vis de l'impie, c'est ça qui a fini par devenir une matrice. C'est-à-dire, personne de lui-même ne peut sortir de là. Il faut que ce soit l'intervention du Créateur qui vient détruire ce conditionnement. Vous voyez bien, ce conditionnement qui vient le détruire, parce qu'il vient lier son sort par un transfert de sa substance à l'esprit humain, pour que l'esprit humain ait la force et le pouvoir de sortir de cette programmation pour retourner vers le Père. Désordonné, tellement méchant dans cette histoire, c'est le fait qu'on est dans ces conditionnements, on est inconscient. Nous appelons sur nous-mêmes, par nos désirs, par nos pensées, par des films que l'impie crée dans notre esprit pour entretenir cette invocation malsaine de son identité en nous, mais en fait, on rend les autres responsables. C'est ça que je trouve extrêmement méchant. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je dis. Très bien. C'est ça qui est extrêmement méchant, moi je dis. Tu voulais, c'est ça même, tu parlais l'autre fois. En fait, si on peut parler de la méchanceté, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui est d'une méchanceté inouïe. Parce que c'est le méchant qui vient à nous. Ouais. C'est ça qui est d'une méchanceté inouïe. D'aller, comme par exemple, je suis là dans la chambre, je passe toute la nuit dans la sorcellerie. Et quand je me réveille le matin, je commence à accuser le frère Fabrice. C'est ça qui est justement parce que quand on appelle une personne à l'identité qui lui est propre, c'est que c'est l'impie qui s'assoit à nous. C'est pas ce que vous pouvez imaginer là. C'est pour ça que quand vous lisez bien le livre de Daniel 9, c'est ce que Daniel avait réalisé quand il s'est tourmenté. Il disait à Elohim, nous sommes méchants, méchants. Parce que nous avons appelé sur nous le malheur, nous avons accusé. C'est ça qui est méchant. Parce que si tu n'es pas fort, c'est-à-dire une telle injustice, parce que c'est ça même l'injustice, tu peux fuir. Pour aller, tu dis, mais cette main-là, mais... Tu te mets dans la boîte. Parce que tu sens clairement que tu n'y es pour rien. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est ça le caractéristique de l'autre de l'impie. C'est ça. Parce que, et pourtant, si je rentre là par le Père, je suis dans la dépendance vis-à-vis du Créateur, je suis dans la bonne activité, mais personne ne peut m'enfoncer. Tout à fait. Personne. Tout à fait. Toutes les forces que vous dressez contre moi ne sont qu'à mon service pour avancer. Bien sûr. Vous voyez ? C'est comme ça. Et donc, je n'aurai pas de raison d'accuser qui que ce soit. Au contraire, c'est ce que je dis souvent aux gens, que quand on vous fait du bien, vous n'allez pas raconter qu'on vous a fait du bien. Mm-hmm. Maintenant, quand vous rentrez dans votre propre sorcellerie, vous commencez à aller raconter que tel m'a fait ceci. Vous voyez bien ? Le bien que l'on nous fait, on le cache. C'est ça. Mais le mal que nous faisons, nous-mêmes, nous l'accusons les autres pour dans les journaux. C'est ça. Oui. Et en réalité, la personne qu'on accuse en ce moment, c'est le Créateur qu'on accuse. Oui. C'est ça. Et ça c'est bien vu, tu vois même les visages par lesquels l'impie se manifeste. Jamais il n'a rendu gloire au Créateur pour ce que le Créateur a fait avant qu'il ne corrompe sa nature. Il passe sur son temps à accuser. Bien sûr. Comme ça, il y a quelqu'un qui a dit à Moïse que toi et ton Élohim, vous nous avez menés ici au désert pour nous détruire. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que vous voyez quelqu'un comme l'autre là, non, Lazare. Vous voyez Lazare, la condition de Lazare. Parce que c'est ça la condition de l'homme. Hein. C'est-à-dire que cet homme-là,
qui, pendant 3 jours, nous sommes là dans des symboliques pour instruire. Il rentre dans une situation où il n'y a pas d'espoir. Qu'il sorte de là pour rentrer dans la vie, dans les hauteurs. Parce que la vie, c'est ça, le créateur de hauteur. Donc on prend cette image-là pour nous parler de ça. Donc il se décomposait. Au point que sa mère dit, sa soeur dit qu'il n'y a plus, Seigneur, si tu avais été là, on n'en serait pas arrivé là. Mais maintenant, il n'y a plus d'espoir. Mais imaginons bien ce que le Messie délègue. C'est une portion de lui qui va sortir de mort pour l'amener à la vie. Donc, pour voir normalement là où nous sommes, si nous sortons de ces conditionnements vis-à-vis de Satan, nous rentrons dans l'identité de notre Père. Nous commençons à être conditionnés de la vérité, dans la bonne. Dans la vraie activité, mais qu'est-ce qui peut nous garder dans le rien. Rien. Il n'y a pas de force capable de nous garder. Il n'y a pas de force. C'est-à-dire que toutes les milices coalisées de l'univers, toutes les milices de l'univers, si on rajoute même dedans les anges qui sont purs, même si elles pouvaient s'aligner du côté de ces milices, la force qui est en train de supérer à tout ça, c'est que tu appelles la force de la vie. Tu comprends? Que le Père, vraiment que le Père fasse grâce, que on en parlait là avec toi, mais que ce mécanisme-là soit perçu, que nous comprenions cette mauvaise activité spirituelle qui se réalise dans l'humain. Bien sûr que, dans le fond, nous n'en sommes pas trop premiers responsables, parce que dès l'entrée dans l'univers, nous avons trouvé un mécanisme, un système mis sur pied, un laboratoire, qui a eu pour but de nous fabriquer comme ça, faire une faux homme. Les hommes contraires, qui invoquent Satan. Je disais à une personne que, tu vois, presque actuellement, presque dans tous les marchés du monde entier, tu vas trouver quand il y a un faux, un vrai faux, il y a un faux. Ouais. Presque dans tous les marchés du monde entier. C'est-à-dire que la déformation de la génétique des plantes a fait en sorte qu'il y a des faux fruits actuellement. Il y a des faux maïs, il y a des fausses pommes de terre, il y a des fausses pommes croquantes, il y a des fausses oranges, comme il y a les vrais, mais il y a des faux hommes. Il y a des vrais. Il y a des faux hommes, des hommes contraires dans l'univers où nous sommes. Ces hommes contraires, c'est ceux dont la génétique a été modifiée, conditionnée et qui invoquent l'ennemi. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, on voit la prétention de ces gens, c'est de vouloir déformer. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de toute l'espèce, ça c'est la prétention. Derrière on voit le Père, hein, pour revenir à tout puissant, comme disait Franck, que c'est lui qui contrôle. Mais la prétention ici, c'est de voir combien ces gens-là veulent faire de tous les humains, en fait, ils veulent, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'il y a une tentative là, il y a une prétention derrière d'associer tous les humains à la vocation de Cain. Oui, c'est-à-dire que, vous comprenez ce qu'il veut dire, hein. C'est-à-dire une manière de faire en sorte que même ceux qui sont destinés à hériter du Créateur, si cela était possible, ben, qu'ils soient de la race de Cain. Tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle modification de la génétique. Hein. Modification de la génétique. Parce que la génétique de Cain vient de Satan. La génétique du fils du Créateur vient du Créateur. Donc maintenant, le conditionnement fait quoi? C'est-à-dire que c'est une manière d'effacer dans l'homme la génétique, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme ne rentre pas dans la génétique du Créateur, mais qu'il rentre plutôt, qu'il soit un homme qui est fabriqué à partir de la génétique de l'impie. Oui, et qui invoque l'impie. Donc comme on cultive le maïs, on cultive les hommes. Oui, on cultive, parce que les laboratoires... Tous les micro-laboratoires qui sont là, c'est pour cultiver, je vous assure. Ils tiennent même, oui. Ils tiennent même ce mot-là dans le... Ils tiennent ce mot comme on ne sait pas comment ils disent. Et ce mot est tenu et employé même. Quand on fait référence
C'est-à-dire quelqu'un d'électré, on dit parfois non cultivé. Oui. Il tient ce terme. Voilà. Oui, oui, oui. Il a été cultivé. Il a été cultivé. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez comme ça. On dirait un culte. Oui, bien sûr. Parce que dans tous les cas, quand vous voyez très bien, c'est que y a un règne dans l'univers réparti, comme on dit très souvent, en trois catégories. Il y a l'humain, il y a les animaux, il y a les végétaux. Mais toutes ces espèces-là, ces trois espèces faisant partie du même règne qui a sa tête Satan, ben, ils ont le pouvoir, ils ont la prétention. La prétention, c'est de modifier leur génétique. On modifie la génétique des plantes, on modifie la génétique des animaux, mais on modifie aussi la génétique des humains. Très peu d'animaux aujourd'hui sur la Terre sont vraiment des animaux normaux. C'est pas vrai bien, parce qu'il y a un croisement entre les animaux. Donc pour modifier leurs espèces, croisement aussi entre les humains. Donc mais les humains se croisent avec d'autres, les sphères qui viennent d'en haut là. C'est-à-dire que ces démons, ces individus qui ont perdu leur génétique d'essence, on peut dire. Et puis on voit toute la Terre qui s'exprime comme ça. Donc en fait, c'est là que se trouve la clé pour l'évolution de notre spiritualité à l'image du Messie. C'est ça. C'est-à-dire que si nous sortons de la génétique de l'autre, nous commençons à rentrer dans la génétique du Créateur, c'est la force suprême, la puissance qui nous est octroyée. C'est-à-dire c'est elle qui se développe, qui s'accumule en nous, l'intelligence, qui s'accumule, qui nous sort totalement. J'ai dit, même un morceau de bois dont on peut modifier la génétique pour lui conférer la génétique du Créateur, mes frères. Mais il sort de l'espace cosmique, non? Oui. Même un morceau de bois. N'en parlons pas que nous avons en nous une dimension qui n'est pas comparable au bois. Et c'est ça. C'est ça. Quand j'ai fini ma sorcellerie la nuit, je me lève, je m'en prends de mes enfants. Oui. Donc ça veut dire que la sorcellerie qui est assimilée, selon toi, en fait, quelqu'un sort de son corps la nuit pour aller faire ses choses. En fait, ce ne sont que les côtes. Oui, mais ce ne sont que les côtes. Hein. Mais dans tous les cas, nous sortons l'esprit qui est en nous. Parce qu'en fait, quand il va collaborer avec la sphère ascendante ou comme il sait une partie, si vous voulez, c'est ça qui est représenté. C'est ça qui est représenté. Oui, mais bien sûr. C'est que d'autres sont à une certaine dimension un peu conscients. Oui, mais les autres sont à une dimension inconsciente. Mais ça, il n'en demeure pas moins vrai que c'est de la sorcellerie. C'est ça. Un niveau élevé, un niveau basique. C'est ça. Quand tu prémédites du mal, la haine, c'est ça. Ils sont en connexion avec le. Tu vas l'épouser, ça se manifeste dans le temps. Et lui, il nous aide à ses compassions. C'est grave. Très grave. Très grave. Vous savez, autrefois, lorsque les gens, lorsque la relation n'avait pas encore atteint la dimension qu'elle a atteint aujourd'hui, où on dit bien, il n'y avait pas encore eu croisement entre l'esprit et la matière, en fait, pour faire matérialiser matérialiser l'identité ou la personnalité des démons sur la Terre à travers ce que les gens avaient appelé invention. Vous voyez bien, c'est-à-dire que ce qu'il fallait, on dit qu'il fallait que quelqu'un fasse un voyage astral. Ouais. C'est-à-dire que l'individu sortait de son corps. Vous voyez bien, il sortait, rentrer dans la sphère de l'autre. Donc, toujours par cette force, hein, par cette énergie qui la propulse. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait aller à cette dimension. Donc il fallait d'abord que tu aies en toi la substance de ces démons pour qu'elle t'a comme les membres. Tu vois, il faut avoir que le métal qui est attiré par les membres est de la même nature que les membres. Si c'est une nature contraire, est-ce que ça peut attirer les membres? Non. Donc pour que tu puisses sortir. Et quand l'individu revenait là, il revenait avec des formules. Ça peut être mathématiques, chimique, physique,
Et puis, sur la base de ça, il le matérialisait, à partir de la matière. Donc, c'est ce qui veut dire que, dans le fond, lorsque l'autre me donne ses pensées ou son caractère, au niveau, par exemple, de la haine, quand mon esprit sort pour aller épouser cela, ça va agir dans mon corps. Ça va agir, ça va se manifester. Donc, j'ai été dans un voyage astral moyen. C'est comme ça. De la même manière, nous ne pouvons pas manifester le caractère, le grand caractère de l'Élohim, la puissance de l'identité du Père, si nous ne sortons pas du conditionnement, sortir de cette sphère cosmique pour aller épouser l'identité du Père. Donc, normalement, pour que nous sortions pour aller vers lui, il faut qu'il y ait sa substance en nous qui nous attire vers lui. Qui nous amène à voyager. Oui. Et puis on manifeste sa personnalité, son caractère. Je pensais à ça ce matin quand on voyait les individus comme le pape. Vous les voyez comme des grands esprits, mais c'est des petits esprits. Quand je dis comme le pape, le roi, ce sont des petits esprits. Parce que ces gens-là ne collaborent qu'avec les créatures. Mais l'humain est appelé à collaborer avec le créateur, principe créateur, force suprême. Vous voyez ? Donc c'est ce conditionnement-là qui doit être détruit. S'il est détruit, nous rentrons dans la vraie activité de prière. La vraie activité de prière. Nous allons, c'est notre maître en nous qui va appeler, intercéder. On dit bien l'esprit et votre Père en vous. Mais est-ce que le Messie et l'esprit sont différents? Non. Nous parlons là des attributs du Créateur en nous qui appelle le Père, qui l'invoque, qui appelle le ciel. Après, il dit, mais je suis à moi.